Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur ce dernier stream avant la fin du monde, émission spéciale. Parce que vous l'avez remarqué, on n'est pas en direct, on est en différé parce qu'on va faire un petit bilan de la saison passée et on va vous parler de la suite. Salut Bastien. Salut. Ça va ? Ça va. Impeccable. Donc oui, on va vous a préparé une petite émission pour faire le bilan. On a commencé l'émission en janvier, c'est ça, hein, oui, janvier, donc avec une petite émission pilote qu'on avait fait au mois de décembre, mais vous n'avez pas vu. Si on a encore ouais mais elle était pas super belle. Donc voilà, on a lancé cette grande aventure du live régulier ZGN au mois de janvier et là ça fait 6 mois que l'on a fait ces émissions là avec, on pourrait dire normalement 6 numéros. Non, il y en a que 4. Il y en a que 4 parce que voilà, il y a eu voilà, au niveau de l'organisation, il y avait par exemple le Technocom. Normalement, on aurait dû avoir une super émission au niveau du Technocom. Ça n'a pas pu se faire, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté. Faut le dire. Là, c'était, on n'avait pas de connexion Internet, donc c'était pas facile. Donc, au niveau de l'émission, on a déjà commencé. Au niveau de l'émission, en fait, ça va se diviser en deux parties. Une partie bilan, où on va revenir sur les différentes émissions justement et on va voir comment on a essayé d'améliorer le concept. Partie passée, une partie future. Et une partie future. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y aura un futur, il y aura une saison 2 bien sûr. On va revenir à la rentrée pour un dernier stream avant la fin du monde. Donc oui, il y a ça aussi, c'est un bilan. Hein, c'est que heureusement pour l'instant, le titre de l'émission c'est à chaque fois planté. Ouais. Il faut l'avouer. On est plutôt heureux hein, que ça ne soit pas le dernier stream avant la fin du monde. C'est beau. Voilà, il fait beau, il va faire très chaud cet été, alors peut-être que c'est peut-être là l'émission spéciale du dernier stream avant la fin du monde, on ne sait pas. Alors, pour l'explication au niveau du nom de l'émission, comme quoi on ne se trompe jamais au niveau de l'émission, on se trompe uniquement a posteriori, je crois que j'avais fait l'explication à Otaloc, hein, je crois que c'était sur l'émission 3. Si vous voulez avoir l'explication philosophique du nom de l'émission, je réponds à Otaloc là-dessus, et je crois que c'est sur l'émission 3, donc vous retrouverez ça là. Si, je vais mettre peut-être des fiches, hein, parce que je vais mettre des fiches de ce côté-là. Donc je mettrai des fiches de ce côté-là. Donc voilà, donc on va revenir sur les émissions passées, on va voir comment on a pris en compte l'amélioration, et c'est vrai que là, en préparant l'émission, on a déjà jeté un petit coup d'œil sur les précédentes émissions, et avouer qu'il y a quand même une amélioration du concept. Ça a changé au niveau des... On va tout de suite passer aux illustrations, on a préparé tout ça. Donc, ça c'est une capture d'écran de la première émission. Donc ouais, déjà on voit le truc qui saute aux yeux, c'est le bordel. Le bordel des câbles, comme vous voyez. C'était vraiment... donc là, on était vraiment parti sur la validation de l'installation technique. On n'était pas encore très à cheval sur l'aspect visuel. Après, comme vous voyez, maintenant, les fonds noirs, ouais, on voyait qui est derrière. Avant, il y en a un autre qui servait pour la lumière. Voilà, la lumière qui niquait le stream. S'en servait pour un écran surtout au niveau pour supprimer le supplément de lumière. Et après au départ on avait qu'un seul fond noir aussi, on avait le tien et entre temps c'est une amélioration aussi du fond noir qu'on a derrière nous parce que ça c'est en tissu il me semble tissu alors que le mien c'est du c'est de la toile. C'est une matière qui est pas mal, qui est assez opaque, mais c'est vrai, déjà qui est un petit peu plus petite. Mais quand c'est une lumière forte comme ça, ça traverse. Donc ça a grosse amélioration au niveau visuel, donc avec la disparition des câbles, tout simplement en changeant le cadrage des caméras. On n'a plus de plan large comme on avait avant, on a deux caméras sur des plans serrés. L'apparition du fond noir. L'autre chose aussi, c'est qu'on voit qu'on a un lien sur le Discord. Avant, on discutait sur Discord, si vous voulez savoir, en fait. On a toujours le Discord de ZGN. Et il y a un salon qui est fait pour le dernier stream avant la fin du monde. Et qu'avant, comme vous voyez sur l'encadrement en bas, niveau un peu grisé, ça veut dire ça comme ça. Et en fait, là, si vous laissez un message, ça va mettre votre nom et votre message. Mais ça, c'était à partir du Discord. On n'avait pas encore, comme vous voyez maintenant,
les améliorations. Voilà, on va le voir sur la diapo, la slide suivante. En fait, effectivement, là, ce qui se passait, c'est que... discuter sur Discord. Voilà, on voulait streamer sur les deux plateformes. On voulait toucher Twitch et YouTube. Donc ça, c'était notre objectif de streamer. Donc on utilise restream.io, pour ceux qui connaissent. Mais on avait le problème, c'est qu'au départ, on ne pensait pas pouvoir intégrer les deux chats. Donc il nous fallait un chat commun et choisir l'un ou l'autre, c'était pas forcément évident. Donc on s'est dit, la meilleure solution, c'est de prendre le Discord, comme ça on envoie tout le monde sur le Discord. En fait, on s'est rendu compte, et entre autres dans cette émission-là, c'est que forcément, vous qui regardez sur YouTube ou vous qui regardez sur Twitch, vous n'allez pas forcément avoir le courage pour dire un truc vite fait, pour interagir avec nous. Vous n'allez pas forcément avoir le courage de lancer votre Discord s'il n'est pas lancé, pour aller chercher le live. Voilà, ça paraît logique, hein. Vous êtes dans une notion de réaction instantanée. Le fait de vous amener à un autre endroit que vous n'avez pas forcément à l'écran, ça limitait le nombre de réactions. C'est pour ça qu'avec l'émission 2, on va le voir après, on a réussi à mettre un double chat et c'est plutôt sympa. On s'améliore avoir accès à un endroit assez privé où on a accès complètement. C'est comme moi, vous emmener dans un lieu inconnu que nous on connaît très bien. Dans un lieu inconnu et obscur. Ça fait bizarre, mais Discord, si vous connaissez pas, c'est. C'est mal famé, hein. Non, mais. Bon, on voit ce que. Voilà, c'est le fait que. De vous amener. Dans les conditions du direct. Alors, je vais mettre le téléphone sur ne pas déranger, hein, mais voilà, comme quoi on est dans les conditions du direct. On a enregistré pour un aspect purement pratique, mais on est vraiment dans les conditions du direct, donc vous entendrez mon super téléphone qui n'a pas été coupé. Ouch. Bon, le Discord, par contre, le Discord, on va le garder, bien sûr. On va en parler par rapport au futur, parce que c'est quelque chose qui va être mis en place par rapport au vocal. On va donner une place un petit peu plus grande à vous, la communauté, avec l'ouverture d'un Discord, enfin qui est déjà là en fait, mais on va le mettre beaucoup plus en avant. Déjà, la dernière émission sur Darwin Project, Contacté des personnes par Discord en jouant à l'émission 4. Ouais. Sur Darwin Project. Voilà, et ça a été réclamé. Il y a une personne qui est venue jouer avec nous et son premier réflexe, c'est de dire, est-ce que vous avez un vocal Discord? Et c'est vrai qu'on n'avait pas, j'avais pas installé le dispositif fonctionne. En plus, je l'ai testé. Il y a tout à fait possibilité techniquement d'intégrer vos voix Discord à l'intérieur du stream pour qu'on puisse vous entendre avec une très bonne qualité, enfin avec la qualité de son Discord. Mais c'est vrai que jusqu'alors, on l'avait jamais réellement développé et pour la saison 2, on va y revenir. C'est quelque chose que l'on va développer. Donc voilà, donc ça c'était la première émission. Hop, on bascule sur la deuxième émission. Donc voilà, donc deuxième émission, on est toujours sur notre décor. Toujours aussi blasé. Bien dégueulasse. Toujours aussi blasé. Ouais, bien dégueulasse. Ah, j'avais changé de souris. Ah, oula, ça c'est le petit... Ah, et toi, tu as mis des cartons rouges. Ah oui, c'était clairement de la bricole. Hein. C'était, là, on voit que par rapport, on va voir les deux autres émissions, c'était clairement de la bricole. Et là, par contre, regardez bien en bas, vous avez les titres putaclic. Ah oui, c'est une bonne remarque, il y a l'apparition de la rubrique news. Ouais. Effectivement. Donc la rubrique news, c'est parti d'où? C'est que au départ, au concept de base, quand on y avait réfléchi l'année dernière, il devait y avoir une demi-heure de talk en fait où on discutait entre nous et ensuite on basculait sur le gameplay. Bon, c'est vite rendu compte que discuter entre nous sans avoir de sujet précis, c'était pas forcément évident. Parler de la pluie et du beau temps, bon, arrivé à un moment, voilà, t'as vite fait le tour. Donc c'est pour ça que on est parti sur une rubrique de news, donc sélectionner des informations high-tech, jeux vidéo, un petit peu tous les sujets, pour avoir des sujets de conversation. Et comme ça, notre rubrique talk d'une demi-heure reprenait vie.
Parce que autour de sujets que je sélectionne, donc trois sujets, bah, on peut commencer à amorcer une discussion avec vous, entre nous, et ça permet en plus un côté plutôt sympa, c'est que ça permet aussi d'attirer votre attention sur des news que vous n'auriez pas vues, de vous donner un petit peu d'infos, donc il y a un petit aspect informatif qui apparaît. Donc bien sûr, à la saison 2, la rubrique news continue, donc je vous sélectionnerai trois news et on discutera de vos impressions sur telle ou telle info. Avec bien sûr l'intelligence artificielle hein, qui va prendre de plus en plus de place. Donc je pense que, et c'est une rubrique, je sais que c'est une des news qui plaisent énormément. Il y a eu une bonne discussion entre autres avec Otaloc et avec Vox, parce que j'avais son vrai prénom, mais je voulais donner son pseudo. Et c'est des choses qui plaisent. Donc oui, le double chat, on voit qu'il y a les deux petits logos, les petits icônes, ouais, YouTube et Twitch, donc l'intégration du double chat. Donc maintenant, lorsque vous parlez avec nous, que vous soyez sur Twitch ou que vous soyez sur YouTube, vos chats apparaissent, et disparaît justement le lien vers le Discord, mais qui va revenir par rapport au vocal. Alors ensuite, on passe à l'émission numéro 3 et l'apparition du fond noir, du beau fond noir. Bon, même si là, il est sur le côté, on voit qu'il est un petit peu... un peu raclé, ouais. Ouais, un peu failé sur le côté. Je crois qu'il y avait un bureau. Ouais, bah c'est que le drap... Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'on s'est fait... On a mis dans un carré, si vous voulez. Il y avait deux bureaux. Et là, on mettait d'autres bureaux. Enfin, une grande table, nous, on a une grande table. On mettait deux bureaux pour que nous on soit encadrés de plein d'écrans pour gérer le stream plutôt Ludo, parce que Ludo il gère plutôt la partie technique et moi j'ai juste une petite tablette, hein. Moi je suis innocent. Ça veut dire quoi ça? Le coupable c'est moi. C'est moi le technicien coupable. Ouais, et on s'est fait piéger effectivement, on avait tout installé et après on a mis le fond noir et on s'est rendu compte en fait que... Beaucoup mieux et que... Après c'était la caméra aussi qu'on a changé de place parce qu'avant il y avait des plans là pour voir tout le monde, c'était le bordel. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire que on essaye vraiment de à chaque fois, à chaque émission, on fait un petit bilan, un petit débriefing à la fin de chaque émission. On se dit bon ben comment on peut améliorer le concept. Et là effectivement, on voit que déjà visuellement un fond noir derrière qui est propre. En plus, on essaye maintenant de faire des petits étalonnages, des réglages de caméra pour avoir à peu près une image potable. L'autre chose, effectivement, comme on n'a plus de plan large, on ne voit plus le bordel, on ne voit plus les câbles, les caisses renversées, tout ça. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de propre à l'image. Donc là, on est sur quelque chose. Les chaises noires aussi. Ouais, le petit détail. Ouais, là on a voilà. On n'a pas des chaises noires. On n'est pas dans le. Mais dans bon, le... vu qu'on est devant, on est assis dessus. Et on n'est pas dans le. On n'est pas dans notre vrai studio là. On enregistre du local ZGN alors que d'habitude on est un étage plus haut. On a un petit peu plus de place. On casse. Regardez. Et enfin la dernière émission. Donc là, on a mis la petite capture. La petite capture parce que dans cette émission, on avait joué à Darwin Project. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était... Donc c'est Bastien qui s'occupe de la sélection des jeux. Et il avait fait une très belle découverte avec... Donc, sur Darwin Project. Ouais. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui me l'avait dit. Et ensuite, que j'ai retransmis à Ludo pour dire, Ludo, faut qu'on fasse ça. Ouais. Parce que avant, c'était un jeu payant et qui était assez sophistiqué pour y jouer. Donc voilà, c'est une très bonne découverte. Voilà. Et ça fait partie aussi des missions que l'on se donne avec ce live, c'est de vous faire découvrir des jeux. On veut aller un petit peu à contre-courant. Bon, quand par exemple on a fait un live sur Fortnite, mais là avec Darwin Project, on était vraiment sur le pic complet des lives sur Fortnite. Il y avait que de ça partout sur YouTube, partout. On a voulu changer. Ouais, clairement ça commençait à devenir un petit peu lourd quoi, de voir du Fortnite partout. Donc là, on a vraiment pris le parti de faire un contre-pied complet et de partir sur des découvertes. Et ça aussi, c'est l'objectif, c'est de vous faire découvrir des nouveaux jeux. Comme ça, quand vous venez voir le live, j'en ai marre de jouer à Fortnite, il y a Darwin Project, et bim, c'est un jeu sympa. Voilà, ça permet de découvrir un petit peu tout ça. Et là, on a amélioration, on a les doubles caméras. Que Ludo s'était mis du plan fixe qu'on a d'habitude à deux, sauf que moi j'ai changé de place pour pouvoir changer
comment on dit ça? Pour changer de caméra en fait. Je me suis posé de l'autre côté pour changer de caméra pour avoir notre vision. Voilà, on avait chacun notre caméra. Et justement, dans le futur, on va en parler justement avec le concept qui va être un peu remanié. Donc là, on va en parler tout à l'heure. La communauté. Ouais. Donc voilà, donc là on arrive sur la dernière émission avec quelque chose qui nous, au niveau qualité audio, qualité d'image, on est arrivé sur quelque chose, on est plutôt bien, il nous reste encore deux, mais là c'est plus la technique, c'est que pour l'instant n'as pas le son de ton jeu dans tes oreilles. Ouais, c'est un peu un problème matos, c'est compréhension de l'ordinateur, c'est compliqué. Voilà, pour vite fait au niveau de la technique c'est très simple, c'est que au niveau du casque de Bastien, il faut qu'il ait à la fois le son de son jeu pour pouvoir jouer facilement, mais aussi il faut qu'il ait le son de la production du stream global, c'est-à-dire ma voix pour qu'il m'entende le mieux possible, mais aussi éventuellement si on met des effets, si on lance des vidéos pour qu'il puisse avoir le retour. Et c'est la fusion de ces deux flux, de son PC plus du stream global, qui n'est pas forcément facile. Parce que voilà, il faut une sorte de petite table de mixage. Donc on a déjà identifié un appareil qui pourrait faire le taf, donc il coûte une trentaine d'euros. Et là aussi, c'est quelque chose par rapport à l'association qui va se débloquer. C'est que pour l'instant, l'association ZGen n'a pas beaucoup investi au niveau du matériel stream. Parce qu'on voulait d'abord valider le concept et voir si vraiment on pouvait tenir à bout de bras une émission régulière. Et là, c'est le cas. On a réussi à faire 4 numéros et on voit aussi qu'il y a une évolution qui est plutôt positive. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir aussi, au niveau de l'association, soutenir un petit peu plus le stream et commencer à améliorer les petits points qui manquent. Et entre autres, l'achat de cette mixette, de cette petite platine, voilà, qui te permettra d'avoir toi le son. Et en plus, tu pourras même régler les niveaux sonores, mettre plus de son du jeu, plus de son du stream. Donc tu pourras gérer tout ça. Donc voilà, donc ça c'est les petites améliorations au niveau du stream. Je pense qu'au niveau du bilan, on a fait le tour. Donc les améliorations techniques, on a amélioré effectivement le concept. Alors il y a eu aussi des streams un petit peu parallèles. L'idée c'est que comme on a rodé un petit peu notre matériel stream, on a essayé de le mettre aussi dans d'autres conditions que le dernier stream avant la fin du monde. Il y a eu un stream spécial Atelier ZGen que vous avez peut-être vu. Pareil, je mettrai une petite fiche pour faire apparaître si vous ne l'avez pas vu. L'Atelier ZGen, c'est très simple, c'est sur du dépannage informatique, des problèmes. Donc là, en l'occurrence, c'était Brian qui voulait installer un disque dur SSD sur son portable. Donc je lui ai proposé de le faire et en même temps, j'en ai profité pour faire un Atelier ZGen pour vous montrer comment changer un disque dur SSD et vous donner quelques informations techniques sur tout ça. Voilà. Qui sert sur YouTube, qui aide les gens. Voilà, petits tutos sympas. Donc là, ça viendra. Là, il n'y a pas de rendez-vous régulier comme le stream qui reste toujours le dernier samedi de chaque mois. Là, pour les ateliers ZGen, c'est en fonction des dépannages à faire, en fonction de la disponibilité du matériel, tout ça. Donc ça viendra un petit peu au compte-gouttes, mais il y en aura probablement pour la prochaine saison. L'autre chose, vous avez peut-être découvert aussi des vidéos de concerts, dont une vidéo de concert des Spreadit Zombies qui est disponible sur cette chaîne-là. Donc si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitch, allez voir sur YouTube la vidéo. Donc là en fait c'était d'utiliser le matériel du dernier stream avant la fin du monde que l'on utilise pour une captation d'un concert et que ça a marché plutôt pas mal. Le rendu est plutôt sympa. C'est vrai, il est pas mal, hein. Ouais. Donc ça permet de valider le principe que notre matériel peut être déplacé du local ZGen, peut être installé ailleurs, parce que là c'était en direct du ranch de Loison à la Rangère. Donc avec normalement une partie directe live Facebook, qui là encore une fois pour des problèmes techniques de 4G mais qui vont être résolus l'année prochaine, on va parler à l'avenir, le live Facebook n'a pas pu se faire forcément dans les bonnes conditions. Par contre l'enregistrement local a très bien fonctionné avec une qualité audio et d'image dans la mesure du matériel que l'on avait à notre disposition était plutôt pas mal, donc ça va être renouvelé. Donc voilà pour le bilan de cette saison 1. On va parler maintenant
Du futur. Du futur. Des missions, qu'est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et quel concept on va recommencer, retravailler. Voilà. Voilà. Donc, il y aura effectivement une saison 2. Il y aura une saison 2 qui est donc avec la première émission à la rentrée septembre, donc fin septembre, et on a regardé pour vous, c'est le 29. C'est ça, le 29. Donc, on reviendra le 29 pour un dernier stream avant la fin du monde. Donc, oui, au niveau du concept, jusqu'alors, le concept c'était le duo de présentateurs avec Bastien et moi-même, et ensuite des des invités, streamers. voilà, des invités streamers. Alors, on va changer un peu ce concept-là, on va reposer l'émission plutôt sur le duo. Donc, les streamers ne seront plus systématiques comme avant. Avant, c'était vraiment systématique le concept, c'était les deux. Tout simplement parce qu'on passe beaucoup de temps à faire le planning en fait et à essayer de trouver des streamers. C'est assez compliqué en fait. Donc là, on a dans notre. Donc il y a Nico, Baptiste, Brian, Damien qui a déjà fait un stream. Ouais. Et je crois que c'est tout. Et Gabriel. Et Gabriel, ouais. Gabriel. Alors Gabriel, voilà, Gabriel, c'est typique le c'est qu'il aurait dû faire normalement deux streams et ça s'est pas fait d'un côté pour des problèmes techniques au niveau de son PC et donc pour aujourd'hui par exemple, il était plus disponible au dernier moment. Ce qui fait que voilà, on a cinq streamers. On pensait qu'avec cinq streamers, on pourrait facilement jongler et remplir nos émissions une fois par mois et on s'est Après, ça rendu. se complétait hein, au niveau des Ouais, streamers. on a réussi. Mais niveau invitation, c'était un peu rude pour demander tout le temps. Et après, on en a discuté. Ouais, c'était vraiment très compliqué parce que ben, en plus là en fin d'année, il y a toutes les notions d'examen. En plus, on L'examen. enregistre le samedi, donc c'est un peu compliqué parce que ben, il y a des activités qui sont prévues au niveau des streamers. Bon après, c'est vrai que peut-être la motivation est moindre que ben, on est très motivé parce que nous vraiment on bloque cette date-là. Nous c'est voilà la date le dernier samedi de chaque mois pour nous c'est une priorité. Enfin. Enfin, une priorité, oui, Oui, c'est quand même quelque chose c'est de. pas obligatoire non plus, mais enfin, pour moi personnellement, ça reste important. Ça reste une bonne chose à faire. Après, je sais pas toi, je pense que c'est la même chose, mais c'est complet, c'est bien prévu et je trouve que c'est pas mal. Donc c'est pour ça que là, on va inverser un petit peu la situation, c'est-à-dire que l'émission va être basée sur le duo. Un petit peu, donc, allez voir Darwin Project, et c'est ça aussi qui a déclenché le. C'est qu'on pensait qu'en le faisant qu'à deux, l'émission ne serait pas viable. Et on a été poussé un petit peu à cette situation avec l'émission sur Darwin Project, et en fait, on s'est rendu compte que non, ça passait très bien. C'était super. Ouais, ça passait très bien parce que allez voir, jugez par vous-même l'émission Darwin Project, mais pour ma part, j'ai trouvé vraiment On n'a excellente. pas vraiment besoin, enfin besoin. On peut accueillir, mais si c'est que par demande, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de streamers à nos côtés, mais c'est toujours mieux. Ouais, et il y a eu un effet que l'on n'avait pas forcément anticipé, c'est que le fait d'être à deux, on peut être un petit peu plus proche de vous au niveau de la communauté. Et avec Darwin Project, ça a été Un appel. une des premières fois où on a eu vraiment des interactions avec des joueurs. C'est-à-dire que y a deux personnes qui sont venues et qui ont tout de suite commencé à discuter. On a pu les intégrer dans la partie. Bon, après, le jeu s'y prête. Hein, Darwin Par Project contre, oui, est très connu. ils sont très forts. Donc c'est pour ça que au niveau du concept, on s'est dit bon ben le fait de faire l'émission à deux, c'est jouable, ça rend bien. Par contre, on a besoin de vous pour que l'émission soit dynamique. C'est-à-dire que vous allez intégrer beaucoup plus l'émission que ça a été le cas auparavant, avec, on en a parlé tout à l'heure, du Du Discord, Discord, oui. du vocal. Donc le système, vous le connaissez, hein, c'est assez classique. Donc je pense que c'est toi qui feras le petit déplacé. Donc il y aura un salon d'attente en fait. Vous rentrez dans un salon vocal d'attente où vous ne serez pas en émission. Vous nous dites, ben voilà, je voudrais participer, le jeu est prêt, installé et tout. Et après, Bastien vous fera glisser dans le live, dans le vocal du live. Et là, on vous entendra sur le live et on pourra échanger avec C'est vous, comme une émission discuter. radio en fait. Vous passez un appel et après bah, vous rentrez, etc. Mais là, c'est différent. C'est juste avec Discord et un jeu. C'est tout. Voilà, par contre,
effectivement, si vous voulez participer à l'émission, donc on fera l'annonce comme d'habitude, vous allez sur la page Facebook, le dernier stream avant la fin du monde, et il y aura l'annonce de l'émission avec le jeu que l'on va faire. Donc bien sûr, pensez à télécharger, donc c'était comment elle s'appelait, qui avait pas téléchargé le jeu, et en fait elle a téléchargé le jeu, mais manque de bol. Mulazik, qui, je sais plus, mais c'était le jeu... Darwin Project. Non, c'était celui d'avant, je crois que c'était Guard machin chose. C'était Darwin Project. C'était Darwin Project. C'est... Ouais. On l'a vu dans plusieurs streams. Hein. Ça oui, fait elle déjà est, elle deux streams, trois streams qu'on l'a vu. Plusieurs fois. Alors je dis elle, mais je sais même plus si c'est elle ou il. Non, c'est il. C'est il. Donc je il, crois. Pardon, il. Et malheureusement, voilà, il n'avait pas téléchargé le jeu et. À la fin de l'émission, le jeu était téléchargé, mais c'était la fin de l'émission. Donc voilà, donc bien penser à télécharger le jeu, et bien sûr que vous pourrez venir jouer avec nous avec grand plaisir, et ça va être quelque chose qui va être bien sympathique, de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir... interagir avec vous. Jouer tous ensemble. La rubrique news, bien sûr, est maintenue. Donc toujours trois news au début de l'émission pour une trentaine de minutes pour échanger. Donc voilà au niveau du concept. Après, l'ambiance, la philosophie de l'émission ne change pas. Du What the Fuck, bien sûr, comme d'habitude. Toujours des news où on parle de Paris, entre autres, ou de meubles Ikea montés par des robots. Voilà, ça va être toujours la même tonalité. Dans les petits projets annexes, donc le Ranch de l'Oison, cette fameuse émission, normalement on aurait dû faire une émission dernier stream avant la fin du monde au Ranch de l'Oison, donc au final ça a été la captation des concerts. En fait, c'est tout simplement que le contact a été pris assez tardivement. Bah oui, mais après c'était pas des contacts hein, au niveau des... Parce que, en fait, le contact, on l'avait fait pendant un salon que l'on avait fait sur notre commune, qui était le salon Récup la Planète. Donc, un salon où on avait fait une installation avec des jeux vidéo. Et on a rencontré Ludovic, donc la personne qui s'occupe de ce ranch-là. Et on avait discuté ensemble et on avait vu que c'était, on pouvait éventuellement faire quelque chose ensemble. Le problème, c'est que le salon Récup la Planète, c'était au mois de mars, mars-avril ou un truc comme ça. Oui, je crois que c'était même avril. Et c'est le grand show qu'il fait à son ranch, c'était le 9 et 10 juin. Donc avril, mai, juin, on avait 3 mois pour goupiller le truc, en plus avec les contraintes techniques de la 4G qui ont été assez compliquées à gérer. Du coup, c'est tombé à l'eau pour des raisons techniques. Mais en ayant discuté avec lui, et surtout lorsqu'il a vu ce que l'on a pu faire avec la captation du concert, donc il a vu un petit peu nos capacités techniques, il a dit qu'il était motivé pour remettre ça l'année prochaine. Et là, cette fois-ci, on a du temps pour préparer tout ça. Donc, on espère pouvoir faire une émission spéciale en direct du ranch, surtout qu'on avait déjà commencé à regarder le jeu vidéo. On a trouvé un jeu vidéo de cow-boy qui irait bien. Voilà, on était parti sur des délires voilà, avec quand les même chapeaux. Red Dead Redemption 2, qui est bientôt sorti. Il est déjà sorti, non? Ouais. Bon, après, voilà, on verra effectivement. Je suis pas sûr qu'il est déjà sorti, mais je suis pas trop sur le jeu, mais c'est un jeu de cow-boy, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais, c'est dans l'ambiance. Mais je crois que j'avais regardé. Alors, le 2, peut-être pas, mais le 1, je crois le que. Le 1, il est sorti, ouais, mais. Il est sorti, 2, mais. Le 2, je suis pas sûr, mais avec les graphiques, pas, apparemment, c'est les développeurs de GTA, donc Rockstar. Il me semble. Enfin bon, bref, enfin, on regardera. Mais voilà, là, en tout cas, sur cette émission spéciale. C'est complet. C'est vrai que nous, ça nous avait bien motivé cette année. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais vraiment pour des raisons techniques, 4G, tout ça, parce que voilà, pour streamer. Il faut avoir un flux 4G plutôt stable. Mais on garde l'idée parce que franchement, je pense qu'on va bien s'éclater si on arrive à faire une émission en mode cow-boy. Il y a moyen de bien délirer dessus. Donc ensuite, dans les autres projets, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, les ateliers ZGen reviendront pour des petits tutos. Voilà. Sûrement, ouais. Et si vous avez des idées hein, de choses, vous mettez dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des infos, enfin, vous souhaitez avoir des petits tutos sur, je sais pas, l'utilisation de Windows 10 ou des trucs comme ça, pourquoi pas, vous mettez en commentaire et après, ben, s'il y a vraiment une idée qui fait tilt, préparer une petite émission et faire un petit atelier tuto sur ce sujet. Il y a une autre piste aussi qu'on va développer
c'est que dans notre secteur, donc il y a bon, un restaurant solidaire qui a une branche très artistique. Donc dans notre commune, il y a un restaurant qui, en plus de faire la restauration, propose, fait venir des groupes de musique, donc des groupes de musique, ouais, et fait venir aussi des philosophes. Et ils vont faire des cafés philo. Ah ouais, je pense que, ouais. Voilà, donc l'idée, c'est tu prends ton repas, t'as un philosophe voilà, qui t'explique un petit peu voilà, la trame de certains comment sujets. Comment survivre et, oui, dans mais... un bateau sans avoir de nourriture. Oh non. Oh. Tu manges le bateau? Ouais, c'est pas trop de la philosophie, non. Ça va non, être, mais je sais plus, c'est une histoire vraiment... t'es dans un bidon... Bon bref. Je sais pas si. Je alors pas l'idée, voilà l'idée. Donc là, on est en train de discuter avec les gérants du restaurant. L'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose, de pas rappeler de mauvais souvenirs des cours de philo pour ceux qui ont des mauvais souvenirs. Voilà, des cours de philo un peu. Le bac de philo, ça doit être drôle quand même. Voilà. Comment tu vas avoir ton bac? Je sais pas. Mais voilà, il y a quand même un concept à développer à ce niveau-là. Il y a moyen de rendre ces sujets de conversation super intéressants. Voilà, si en plus on a quelqu'un qui expert. Et voilà, et la personne, j'ai pas encore fait sa connaissance, mais j'ai eu des échos. C'est quelqu'un qui est vraiment très pédagogue et qui sait faire passer ses informations. Ça permettrait donc d'avoir une conversation plutôt sympathique. Et j'ai proposé que on utilise le matériel du stream pour vous proposer à vous ces cafés philo. Donc là, l'idée, c'est vraiment de brosser super large. Hein. On part du gaming jusqu'à la philo, donc là on sera plutôt bien en passant par les concerts et tout musique. Donc là l'idée de la chaîne ZGen et des streams, c'est de partir, voilà, de brosser l'ensemble des choses que tout. Voilà c'est, que vous ayez vraiment qu'il y en ait pour tous les publics. Donc ça à développer, on vous en dira plus à la rentrée. Ben voilà, je pense que au niveau du bilan futur. On va avoir une deuxième saison assez chargée, assez ouais, intense. Ça va être compliqué. Oui, surtout que lui, il va passer son brevet. Donc, il va être dans les révisions. Donc, on a regardé. Ouais, il n'y a pas encore la date. On a voulu regarder si quand tombait le brevet en 2019. Je sens bien que ça va tomber. C'est pas grave. Pendant... Tu veux pas faire ton brevet? Non. Pourquoi priorité au brevet, tu bah, rigoles. Attendez. Mot d'excuse. Je vais vous faire voir. J'ai c'est une bon. Émission, j'ai un stream, regardez. Je peux pas venir. Non, ça marchera pas. Donc voilà, donc tout ça, on va gérer ça et vous retrouverez le plus régulièrement possible l'émission. On n'a pas parlé du Technocom. Alors le Technocom, s'il y en a un, parce que pour l'instant, le salon du jeu vidéo... C'est toujours un peu variable. Hein, Voilà. Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il y en a un et qu'il se passe au-dessus de l'Oison, il y aura une connexion Internet. Donc, cette fois-ci, ça ne sera pas annulé à cause d'une connexion Internet parce qu'elle sera déjà sur place. Donc, ça, c'est déjà un c'est bon point. C'est pas mal. Voilà, ben, en conclusion, on vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances, et oui, amis. Et oui, reposez-vous bien. On se donne rendez-vous donc le 29 septembre. C'est bien ça, pour la nouvelle saison, la saison 2 du dernier stream. Qui avant... va durer, du coup, deux fois ce qu'on a fait, ça va durer 12 mois. Voilà, alors. Ça fait le double. Alors, il n'y aura peut-être pas 12 numéros, non, parce qu'il y a les vacances, mais voilà, là on va partir sur. Septembre. Ouais. Ah ouais, non. Sur une saison complète. Enfin, au moins 10 mois, 9 mois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Oh, on atteindra probablement les 12 streams globalement. Ouais. Ah bah oui. Il n'y aura pas que le dernier stream à la fin du monde. Il y aura tous les petits streams à droite, à gauche qui vont venir se greffer. Surtout qu'il y a d'autres petits projets de courts-métrages, trucs comme ça. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore assez développé pour en vous en parler. Ouais, ouais. Y a, au niveau stream et au niveau vidéo. Il y a de bons trucs, de bons projets, de bonnes choses qui sont en préparation. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo de mettre... un petit commentaire pour vous dire déjà ce qui vous intéresserait. Continuez ce que vous faites, c'est ouais. bien. Ce qui vous intéresserait pour la saison 2. Vous pouvez nous dire, hein, ça nous intéresse, n'hésitez pas, on vous répondra. Donc voilà. Ouais, c'est ton pote qui disait qu'on se coupait trop la parole. Mmh. Donc on se coupe moins la parole. On va essayer on de. On va voir pour la saison 2, on va trouver un système, je sais pas. On se jette des trucs à chaque fois qu'on veut parler. Arrête
voilà, donc oui, n'hésitez pas à mettre donc des commentaires, voilà, pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir, voilà, d'avoir un petit peu de soutien en disant ouais, ben, c'est sympa ce que vous faites, continuez. Bah, critique aussi, voilà, ce que vous faites, c'est pas bien, c'est de la merde, bah, un peu constructif, sinon ça sert à rien. voilà, et des propositions pour améliorer le concept. Bon, bah, allez, sur ce, on vous dit bonnes vacances et à la rentrée. Allez, ciao, ciao. Ciao.